Eh bien salut mes doudous, bienvenue sur le Wolfie Game Party pour aujourd'hui la suite et le cinquième épisode de notre aventure sur Plectel Innocence. On continue avec chapitre 4 sur lequel on était déjà, qui s'appelait l'apprenti. Amicia et Hugo ont réussi à s'échapper de justesse du monastère où les attendaient des hordes de rats. Les rats craignant la lumière, les orphelins profitent des derniers rayons du soleil pour progresser vers la ferme de Laurentius. Ah oui, le fameux médecin qu'il nous fallait à tout prix aller voir pour je ne sais plus trop quoi d'ailleurs. Mais on va vite fait revoir ça dans cet épisode. Nous nous étions donc arrêtés ici, mes petits doudous. Ah oui, je me rappelle très bien de ça. Il nous fallait donc... Ça rentre dans mes chaussures. Oh, c'est pas vrai. Et la bouillasse. Ils sont ici. Il y en a ici. Non. La torche. Vers la torche, vite. La torche. Calme-toi. C'est bon. Ils peuvent pas nous atteindre. Allez, on continue. Oui, alors il va nous falloir donc progresser de torche en torche. Je ne sais toujours c'est pas comment on court. Fait sortir. On ne craint rien si on reste loin d'eux. Il y a des choses à ramasser là-haut. Non, c'est juste des trous. Ah la vache, il y a du monde. Je sais plus comment on court. Ah non, non, pas la bouillasse. Ah, zut. Je me suis fait avoir par mon... Ouais, donc faut pas marcher dans la bouillasse. Où est-ce qu'on a une autre torche? Alors, on a celle-ci là. Ouais, la plus près, c'est celle-là. Voilà, on peut courir comme ça. Ah, mais quel con! Non, je vais me faire avoir. Il nous faut du feu! On doit sortir de là! Amicia, il y a du feu en haut! On y va. Viens. Je suis Ken là. Non, c'est... Allez, on tourne. Allez. Ouh. Plus vite. Voilà, on est safe, mes doudous. Ah, y en a partout. Regardez-moi ça, le bordel. Je suppose qu'on va pouvoir peut-être passer là. Viens, je vais te faire monter. Oui. Yeah. Ouais, bon là j'ai pas trop le choix. Je peux pas ramasser des brindilles ou des trucs là comme on faisait avant. C'était juste. Ouais, c'était juste, ouais, comme tu dis. Encore cette boue. On passera pas. Ouais. Je sais. C'était le... La fronde. Voilà. Oh. Ils sont vraiment... doucement. La cochonaille. Ils ont été massacrés. Sans doute pas l'inquisition. Mais si dégoulasse. Regardez. Allez, moi aussi. Allez-y. Voilà, là on peut ramasser des petites brindouilles. Allumer la brindouille. Allons-y. Oui. Et là, on a un truc à ramasser. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Non. Bon. Où est-ce qu'on va maintenant? Merde. Attendez, avant de prendre la brindille, il faut que je sache où je vais. Tout droit, ça me paraît bizarre parce qu'il y a des pics, donc je ne vais pas pouvoir avancer. Faut que je retourne en arrière. Allez, encore une fois. Alors, mes doudous, je viens de comprendre qu'en fait, on va pouvoir allumer notre torche sur les lanternes à pied là. Allons-y. Ce qui va nous faire gagner un petit peu de distance.
Voilà, allez, barrez-vous, les rats, barrez-vous. Allez, vite, 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 vite. Bien. Ok. On va reprendre une brindouille. Là, apparemment, on va pas avoir le choix. Non, on va être obligé de l'allumer ici. Allez. Allez, go. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Ah, dans la bouillasse. Zut, j'avais pas vu. Ah, ça va nous ralentir de ouf, ça. Ça, c'est pas bon, ça. Allez, on va aller allumer ça tout de suite. Vite, 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 vite. Oh non! Pourquoi ça s'éteint? Oh, bleu, bleu, bleu. Alors, on prend la brindille. Je vais essayer de ne pas aller patauger dans la bouillasse. Allez, encore une fois. Parce que ça m'a beaucoup trop ralenti la première fois. Tac, 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 tac. Voilà, vous voyez. C'est un petit peu mieux. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi elle a pas voulu que j'allume... Ah si, c'est bon, ça marche. Alors, ça, très bien. On va prendre les collectables. On n'a pas des tables, on n'a rien. Là, il va falloir pousser, je pense. On va pousser ça. Ce truc. Uh-huh. On peut pas l'orienter, hein. Bon. Allez, on y est presque. C'est qu'elle vole. Amicia, pourquoi ils ont tué les cochons? Peut-être pour contenir les rats non. Ici. Attendez, je fais n'importe quoi là. Je comprends pas comment orienter ce truc. Ah, c'est chaud. Ouais. Voilà les gars, on y arrive les gars. C'est très très lourd. Faut juste le temps de comprendre comment manier ce truc. Oui, parle pas pour tous. Pousse. Technique très hasardeuse, mais efficace. Okay. On l'a fait. On y est. Hugo, mais... Il est en train d'alerter tout le monde. Hein? Tu y as pensé? Pardon. Allez, réfléchis, Hugo, quand même. Alors, on a du matos. Bien. Il y a des... C'est énervant dans ce jeu, parce qu'il y a des endroits où on peut courir et d'autres où on peut pas. Donc, vous voyez, là, elle peut pas courir. J'appuie sur la manette, mais... C'est tout noir. Il y a peut-être un monstre dedans. Sur le bouton de la manette, j'appuie pas sur la manette. Hein. Oui, c'est un puits, quoi. On va essayer d'aller là-dedans. Pas les choses à ramasser autour. Moi, j'aime bien faire fouiller. Hop. Fermé. Oh, c'est pas vrai. On doit trouver le moyen d'entrer. Là-haut, qu'est-ce qu'on a de beau. Wouah. Hop. Encore du matos. On va peut-être avoir un établi vide. Le cheval. Les rats ont dû passer par là. Le pauvre. Oui, donc je disais, je reste là-dedans parce que on va peut-être avoir un établi pour fabriquer des choses. Oh la vache. Il reste plus rien là sur le dodo. Mmh. Mmh. Vas-y, monte. D'accord. D'accord. Bon, genre, y'a rien. Ok, attendez, je vais faire le tour là-haut. Peut-être louper des trucs. Non, apparemment, j'ai rien loupé. Ah si. Des cailloux. Ouais, ça me sert à rien aussi de passer par la fenêtre là. Je crois que ça me sert à rien du tout, hein, les gars.
je peux même pas sauter, je peux rien faire. Ok, bon, peut-être plus tard. Peut-être plus tard dans l'histoire. Enfin, on sait qu'on peut monter là et passer par la fenêtre. Enfin, passer par la fenêtre même pas. Je passe devant. C'est toujours bon à savoir. Allez-y. Hop là. Waouh. Quelle agilité. Donc là-haut, on ne pouvait pas rentrer. Là, il y a des cocottes. Oui, bonjour. Oh, t'es encore en vie. Je suis désolée pour tes amis. Qu'est-ce que tu fais dehors par une nuit pareille, hein? Oh, il répond pas, c'est normal, c'est un cheval. Là, on a un cochon. Alors, on va essayer de rentrer par là. Eh non, hein, ça aurait été trop beau. Est-ce qu'il y a des choses cachées par là? Un petit passage, on va aller voir. Hein. Rien du tout. Ça valait le coup d'aller voir quand même. Il y a l'air d'y avoir des trucs là-haut. Amicia, une fleur. Ah, une fleur. Eh bah vas-y. Non, il veut pas. C'est pas trop le moment, tu sais. S'il te plaît. Bon, vas-y. C'est une encolie. Comme elle penche la tête, on dirait qu'elle est triste. Peut-être qu'elle se sentira moins seule avec nous. Oui, c'est pas bien de rester tout seul. C'est mignon. Allez, allons-y. Ok. Donc là, ça, d'accord. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça, c'est une porte, c'est quoi ça? Non, c'est pas une porte du tout. Peut-être que là, maintenant, elle veut bien. On va essayer de passer par la fenêtre. Hugo, tu vas rentrer et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Allez-y! Sois très prudent, d'accord? Oui. Ouais, d'accord. Fais attention, sois très prudent. Oh, ça sent bizarre. De l'alcool pur, ça vient des alambics. Ah, les alambics. Attendez, je vais voir s'il y a du matos à ramasser avant de confectionner. Oh. Il y a quelqu'un. Allons voir. Il y a Bidule qui est là. Ok. Je le regarde, hein, les doudous. T'inquiétez pas. C'est quoi ça? Ah, je crois que c'était des... Non, apparemment, il n'y a rien à ramasser. On va aller confectionner des améliorations tout de suite. Voilà. Alors, on a le choix entre... Donc, réduit le temps qu'Amicia met à sortir sa charge et sa fonte. Ça, ça peut être sympathique. Contient jusqu'à 16 matériaux de chaque type. Ouais, bof. Courir et esquiver font moins de bruit. Ok, en retirant le bois de ses semelles et en entourant ses mollets d'une épaisseur dessus, Amicia réduit fortement le bruit de ses mouvements. Ouais, ça c'est pour l'infiltration, ça peut être sympathique. Ouais, j'ai envie de prendre ça pour l'instant. Pas mal. Pas mal du tout. Fais voir. Oh, c'est stylé. Alors. Du feu, très bien. Oh, il fait mal aux yeux le feu, dis donc. Là-haut, qu'est-ce qu'on a? Je sais que l'autre il est en haut, il est en bas, mais j'ai envie d'aller visiter un petit peu. Enfin, il est en bas. Peut-être pas, ça se trouve, il est en haut. C'est rien, je dis ça. Des cailloux. Ça, c'est quoi? Ce dessin. Ça représente quoi? En tout cas, c'est joli. Abréviation d'une formule latine. Ok. On va pas s'amuser à lire les trucs pendant une heure. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bonjour! Qui êtes-vous? Maître Laurentius? N'approchez pas, il est contagieux. Ah. Hugo, c'est toi? L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. J'ai... Je comprends.
Ils sont venus le chercher. Il y a un mal. Un mal ancien. Dans le sang de ta famille. Ah merde, on est maudit. Dans ton sang. Ta mère et moi avons essayé de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Tu dois le protéger, Amicia. D'accord. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Moi ? Mais comment ? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi ! Elle est colère, Amicia. Ils sont ici. Les rats sont dangereux, mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse de le traquer. Qui sont les rats ? Nous devons disparaître. Il faut aller. Aller au château d'ombrage. Lucas, cours à la grange. Tu dois finir l'ennifère. Ne parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais bah, vous n'êtes gentil. Plus seul maintenant. On D'accord. doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'ennifère. Ça nous protégera des rats. Cool. Protection contre les rats. Viens, Hugo. Je veux pas que tu restes là. Ok, mes doudous. Le matériel est dans la grange. Venez avec moi. Nous avons donc fini... Oh non. Ah non, on n'a pas fini l'apprenti encore. On a fini un chapitre de l'apprenti. Enfin... Comment on appelle ça ? Je ne sais plus. Une mission, voilà. L'apprenti, mais on n'a pas fini... Je regarde hein, s'il y a des choses. Ouais, il y a des choses. Qu'est-ce qu'on va faire ? D'accord. Quel intérêt ? Les rats sont entrés. Je vais trouver un moyen de les occuper. What ? Attendez là, parce que... Il va falloir qu'on tape, à mon avis, sur la bouffe. Oh, les jambons, bonne idée. Ah, ouais. Ils craignent la lumière. La lanterne. Hey oh, tu peux y aller. Attendez, on va peut-être pas taper le deuxième. Tirer sur une lanterne avec fausse onde pour briser. Voilà. Désolé. Bah, c'est pas grave. Bah, ça sert à rien là, ce que j'ai fait là. Je comprends pas ce que je suis en train de faire, hein, Lulu. Hein. Et voilà. Hugo, donne-moi la main. Non. Elle peut pas courir. Ah, c'est chiant je ça. Vois. Alors ne t'éloigne pas. Ça va, vous deux ? Ça a été. Un long trajet. Alors mes doudous, on va passer par la porte parce que en fait j'avais pas vu qu'il fallait suivre Hugo et son pote là. Parce que dans la maison il n'y avait pas grand chose à faire. Hein. Là on a l'interaction. C'est ça qui a l'air très lourd. Des céréales avariées. Ça doit être pour le cochon. Oui d'accord mais on s'en fout non ? Un peu. On va aller voir l'autre petit garçon que dont j'ai oublié le nom. Oh non, ils sont revenus. Ah oui. Ils sont partout. Il faut qu'on aille au fond de la grange. On peut pas partir sans l'ennifère. Oh, comment on va faire ? Comment on va faire ? Ça c'est une question qu'elle est bonne. Ouais, regardez, regardez. Ils essayent de... Non, bah, je peux rien taper, là. Non, je peux rien faire. Bah, c'est pas possible. Il nous faudrait de la viande. Morte ou vive.
On va se servir de ça. J'ai compris. D'accord. Laisse-moi t'aider. On va lui donner à manger ? On peut dire ça. Allez. Viens dire le petit cochon. À table, petit cochon. À table. Et on va se servir en fait du cochon pour nourrir les rats. Si je ne m'amuse. C'est dégueulasse, hein, mais c'est la vie. C'est bon. Mâche bien, petit cochon, tu auras mal au ventre. Il faut être sûr qu'il reste. Je vais fermer. Oui, ferme la porte pour être sûr qu'il reste là. Quand il dit je vais fermer, c'est moi en fait. Ah, il fallait que je sorte. D'accord, bah, sinon il m'enferme. Oui, c'est logique. Il y a une échelle sur le côté. Venez. Allons-y. Hugo ? Hugo, écoute. Boude si tu veux, mais ne t'éloigne pas. Excusez-moi, c'est moi, j'ai appuyé sur le truc sans vouloir. Je lui ai demandé d'attendre. Alors qu'il fallait pas. Monte. Voilà, ça servait à ça tout à l'heure. Allez, viens, petit Hugo. Oh, il y a des ratatouilles là-haut, j'avais pas vu. Ah, les lumières. Oui, Hugo. Alors. Ne regarde pas, s'il te plaît. Pourquoi ? Ne regarde pas, s'il te plaît. C'est quoi les lumières ? Mais je tire sur quoi là ? Ah oui, les lumières. D'accord. Oh là 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 là, Wolfie, hein ! Non, Amicia, qu'est-ce que tu fais ? Je suis désolée, Hugo. À la vache ! Il faut éloigner les rats. C'est horrible. En fait, c'est comme les autres. Hugo. Hugo, il est pas content. On n'avait pas le choix. Allez, on court là. Je passe devant. D'accord. Venez, par ici. Ah, il y a une trappe secrète. Le pauvre. Ça va, c'est un cochon. Attention, vous marchez. T'es pas musulman. Ça, c'est pas du simple matériel de docteur. Mon maître est aussi avant tout un grand alchimiste. Hop. Tu t'appelles Amicia, c'est ça ? Moi, c'est Lucas. On va préparer l'énifer. Regarde si tu trouves de l'alcool et du soufre. Il doit y en avoir ici. De l'alcool et du soufre. Dis-moi quand c'est bon. D'accord. Alcool et soufre. Alcool, on soufre. On récupérait les matériaux pour Lucas. Je crois que j'ai tout. Lucas. Il est long cet épisode, là. Enfin, ce chapitre. Tu fais quoi ? Léviter, un assemblage alchimique, une dissolution des réactifs. C'est du latin. C'est juste de l'alchimie. Lucas, pourquoi mon mal, c'est pas le même que le rentus ? C'est bon, Lucas. Bien. Maintenant, tu vas à côté, hein. Il est à côté du truc. C'est sans danger. D'accord. Il me demande de lui ramasser les ingrédients, il l'avait juste à côté de lui. Vous pouvez désormais fabriquer de l'inifère. Maintenez R1 pour ouvrir le menu des sélections. Pierre, inifère. Maintenir pour fabriquer. Voilà, c'est... Non, non, non. Bien. Les rats ! Oh non ! Non ! On est coincé ! Non. L'inifère, Amicia. C'est le moment. Vive les braises au fond. Eh ben oui, mais qu'est-ce que je fais ? D'accord. Ok. Non, faut jeter l'un dedans. Excusez-moi. Je croyais qu'il fallait le mettre au sol. Non, faut l'allumer dans un... C'est moi qui ai fait ça ? J'ai vraiment fait de l'alchimie ? Oui. Ton mélange était parfait. On dirait que tu as hérité de ta mère. Donc on a l'inifère, des pierres et... J'aimerais te montrer comment créer d'autres projectiles. Un pote. Ça nous serait utile. Ah bah oui, ça nous serait utile, monsieur Lucas, effectivement. Merci. J'ai fini mes mélanges. On doit retourner voir Laurentius. Amicia, tu devrais passer devant. On va en faire un, hein. Un peu. Donc qu'est-ce qu'on a ? Encore des choses. Calmez-vous les ratatouilles. Oh. Et là, ça a l'air d'être bon. Je suppose qu'il faut qu'on monte. Ouais. Effet que t'y veux. Les rats, reculez. Lance-le sur les braises. Pourvu que ça ne m'explose pas au visage. Oh.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, monte. C'est pas mal le ninifère là. Enfin, patoche. Est-ce qu'on peut allumer un ninifère là ou machin? Non, ça sert à rien. Il est où Lucas? Non, il est où Lucas? C'est lui. Il est où mon petit frère là? Ah, il est déjà là, d'accord. Non, c'est lui qui est là ou. Il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a beaucoup. Je vais dégager un chemin. Bleh. Coupé. Ok. Venez. Par ici. C'est parti. Pas de problème. Allez. Allez. Laisse-moi, Hugo, écoute. Il fait la gueule, le tout à l'heure, je... Laisse-moi tranquille. Je voulais te dire... Je suis vraiment... Oh non. Wow. Lucas, les rats. Il n'y a plus de lumière dans la maison. Non, non. Merde, Lucas, attends. Aïe, 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 aïe. Ah bah voilà, ça s'est réglé. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Quelque chose. On doit partir, maintenant. Ah bah Laurentius, là oui, mon avis... Hey, arrête, on a besoin de toi. Regardez, il est mouru, hein. Le cheval. Ah, faut suivre le truc. Vite. C'est le moment. Hugo, Lucas. Ouais, on a besoin de ce cheval. Ils sont partout. Lucas. Je suis là. On va suivre le... Il va où, ce chemin? Merde. Lucas, on va où, comme ça? On va vers la rivière. Ah, faut être rapide, hein, vache. Allez, où? On va les allumer à la distance, hein. On sera plus safe. Là, on est bon. Là, on est bon. Ah, d'accord, j'ai compris. Attendez. Il y a une barque là-bas. Après le moulin. Alors, on y va. Amicia, le moulin, il est presque en feu. Ça ne peut pas marcher. Lucas, viens. Ok. Non. Ah la vache. Non. Ouais. Là, ah, elle court pas, elle court pas là. Ah, dans les phases d'action, elle court au ralenti en fait, c'est énervant. Allez, allez. Waouh. Eh ben mes doudous, c'était chaud. Hein. Savent pas nager les rats? Ça c'est nager les rats normalement, non? Bon, tant pis. Ceux-là ne savent pas nager. Épisode 5, mes doudous. Alors je pensais qu'on allait entamer ce chapitre 5... dans cette vidéo, mais apparemment pas du tout, puisqu'on est déjà à plus d'une demi-heure. Donc on va se laisser là, et puis bah on commencera le chapitre 5 dans l'épisode 6. En espérant que ça vous ait plu, on se retrouve donc pour ce prochain épisode sur Plague Tale Innocence. La prochaine fois, on va essayer d'en faire une toutes les semaines. Hein. J'essaye de vous proposer un épisode toutes les semaines, mais c'est pas évident. Voilà mes doudous, à la prochaine, portez-vous bien et puis bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. À bientôt sur le Wolfie Game Party.